Salut les potes! Bienvenue pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance. Gameplay Thérèse, DLC, incroyable. Des aventures rocambolesques. On est en plein combat. J'espère qu'il est en sécurité. Okay. Je dois le trouver. Alors, faut qu'on s'arrache. Là, il y a un mec. J'ai le chien. Je pars par là parce qu'on est de l'autre côté, on se faisait tabasser. Là-bas, je crois qu'il y a des mecs, si on se souvient bien. Ouais, c'est ça. Le clébard, moi. Il y a un connard, là. Ah, il m'a traité de asshole. Bon, j'entends le chien qui grogne. Viens là, toi, papa. On va le semer. On va le semer, c'est chez nous, ici. Je sais pas où je vais, hein. Apparemment pas en direction de la quête. Je vois pas de pointeur. Le chien est là. Le con, c'est bon, on a plus les petites épées. Non, pardon, on pouvait pas monter, on se souvient. Oh là. Le gameplay Thérèse, incroyable. Chut. Calmez-vous. Y'a un cheval. Putain, j'ai été repéré. Oh Thérèse, l'animation de merde pour monter ça, Thérèse, grosse cruche. Jamais je le sème. Oh, le coup de la tête. Attaque, attaque. Oh le contre qui est pas parti. Oh le double. Je l'ai contré qu'un. Oh mais pourquoi tu contre. Le chien c'est quand tu veux gros. Au pied Magnan. J'en profite. Au pied Magnan, ta gueule. Connard. Mais tue-le, foutu chien. Attrape-le. Oh, j'ai essayé de... Ah ouais, non, gros, c'est un jeu... Bah, je peux pas, l'équivalence de stuff. Ok, go. On passe par la fenêtre. À droite, on pouvait pas se barrer parce qu'il y avait les mecs. En face, dans le pont, on peut pas se barrer parce qu'il y a le... Samuel. Il y a le gars qui nous attend. J'espère qu'il est en sécurité. Je dois le trouver. Ok. Lui, normalement, il nous voit pas. L'autre nous suit pas derrière. Il est où le connard qui est censé être là? Il est là-bas, il court. Putain, y a un autre mec là. Je suis pas en combat. Je descends à la flotte. Direct, pour pas choper le mec là qui va se relever. Fallait visiter les mines. Il me semble que c'était ça, non? Putain, je me souviens plus. Pour l'instant, faut que je sauve mon cul. Donc attention, passer le pont, mais ne pas sortir trop tôt. Continue un peu le chemin. Cheval égale danger. Cheval égale attrape Nigo. Oh! Lui, il était pas là tout à l'heure, lui. Peut-être parce que je speedrun le jeu, là. Oh, j'ai sifflé le chien. C'est bon. X c'est pour siffler le chien, C c'est pour se mettre accroupi là en mode furtif. Il y a un canard gros dans la flotte, elle fait un bruit. En même temps je suis en robe. Alors là, cheval, mec juste derrière. Nique ta mère. Putain Thérèse, commence pas à faire la con. Thérèse, fais la con. Je suis pas en combat. Pas par là. Je dois aller aux mines pour trouver Samuel. Mais quand je cruche, on veut juste monter! Ferme-la! J'ai bien compris que j'avais pas pris le bon chemin. Le chemin que le jeu veut qu'on prenne. Y'a plus le soldat. Si, y'a le soldat. Y'a le soldat qui reste. Ah, vous le voyez là? Il est juste là sur mon pointeur, juste au-dessus. Ce connard, il reste là bien à côté du cheval et y'a une patrouille qui passe. Les mines, faut aller là-haut, y'a un chemin. Attends. Oh, je suis tellement loin! Oh, c'est vrai qu'on devait aller là!
Et on sort d'ici. J'étais tellement à côté, mais on pouvait pas passer là. Explorer la galerie ouest, sud, est. En vrai, est, on prend la route là. On monte jusque là, ok. Ça, on pourra la faire. Et ensuite, bah go, on descend et puis on va sur la A et la B. Ou alors... Oh. Vas-y, je suis à côté de la C. On va faire la C, on va faire la C. Je suis à côté de la C. Eh merde. Et je suis pas en combat, je suis pas en combat. En fait, le mec me prévient juste qu'il... Eh, je te vois, attention! Retrouver Samuel. Là, aussi, on a compris. Et il y a le chien qui attrape les papillons à côté. En fait, juste il parle, il nous prête. En fait, il... Ouais. Attention, je suis... Non, ça y est, là, j'ai trop attendu. Ah, j'ai un mur invisible qui me permet pas de courir où je veux. C'est trop chiant, là. Je suis trop baisé, là. Elle va t'encore foirer, celle-là. Là, je suis en petite épée blanche. Pas en épée jaune. Donc, peut-être ça veut dire que là, il y a une possibilité que je le perde. Je suis plus en épée. Et je suis... Il est plus là. Ok. Ok. Vous avez vu, je commence à comprendre. Au bout de 50 épisodes, c'est pas mal. Je suis en furtif, hein, je veux pas faire le con. Par là la route, attends, c'est où? Ah ouais, faut que je redescende, faut que je redescende. Ok. Ah, la musique qui va tellement bien. Le chien, par contre, arrête! Je me permets une petite course. Partie sauvegardée. Ah! Oh! Oh! Ok. Je veux dire, on va la tryhard la Thérèse, mon gars. Oh oh. La sortie tellement badass, Thérèse, ben là ma poule, hein. Qu'est-ce que tu fous là, ma grosse? Tu respires encore? Espèce de sale merde. Je t'ai dit de crever, bordel. Oh. Thérèse qui la base tout le monde dans le village et là qui fait la choquer. Tout ça pour se coller à... à Bobby. Même le chien était choqué, quoi. Thérèse. Dieu merci, tu t'en es sorti. Oh bah voilà. Et ton père, et Stibor. Ah. Gros, regarde ma gueule, j'ai vécu l'enfer. Vous avez vu Samuel? Ouais, il est à l'intérieur. Mais écoute, Thérèse. Ils l'ont salement tailladé, tu sais. On va te conduire à lui. C'est pas sûr par ici. Ouais, merci quand même. Sympa, les gars. Allez, allons voir Sam. Viens le chien! Ils sont vraiment sortis en mode Zoro, les gars. Explorer la galerie Est. Ok, il y aura... On partira bientôt. Dès le coucher du soleil. On devrait barricader le passage derrière nous. Au cas où ces salauds essaieraient de nous suivre. Très bien, occupe-toi de ça. Thérèse, Samuel... Samuel est allongé là-bas. Non, on la fout, ouais. Merci, je vais aller voir mon frère. Ne partez pas sans nous. Thérèse. Oh, Samuel, tu es vivant. Oh, mon Sam, la gueule. Je t'ai vu allongé par terre, comme ça, immobile. Je pensais que... Thérèse, aide-moi. Je t'en prie. J'ai mal. J'ai mal, c'est atroce. Comment as-tu reçu cette blessure?
Ces païens nous ont barré le chemin dans la galerie avant qu'on ait pu voir quoi que ce soit. Ils étaient déjà à l'intérieur. C'était ignoble. On n'y voyait rien du tout et il fallait qu'on passe. L'un d'entre eux m'a attaqué. Je ne l'ai même pas vu venir. Il faisait si noir. Les cris et les hurlements. Ça ira, Sam. Tout va bien à présent. Tu t'en es sorti. Ouais. Ces ordures s'intéressaient plus à l'argent. Où est-ce que tu as mal? Partout. Oui, on va te finir, quoi. J'agonise, Thérèse. Je suis là, mon Sam. Oui, Sam. Thérèse, je veux pas mourir. Si. Oh, Sam, tu ne vas pas mourir. Je ne le permettrai pas. Je suis là. Si, hein, le chapeau qu'il a. Montre-moi ta blessure. Là, c'est grave. Pas vrai. Je vais te dire la vérité, mon petit bonhomme. Ouh, la blessure paraît moins grave maintenant. Je vais te dire la vérité, mon petit bonhomme. C'est une sacrée blessure, mais les bandages t'ont sauvé la vie. Ça ne saigne plus. C'est un bon signe. Ouais. Ouais. Je saignais comme un goret, Thérèse. Ma tête. J'ai la tête qui tourne. Ne t'en fais pas et tâche de te reposer. Dès qu'on sera sortis d'ici, je t'emmènerai voir un médecin. Papa. Et. Réussite. Et Stibor. Où sont-ils? Il va canner. Ils se sont cachés. Nous nous sommes séparés. Mais je les ai vus courir pour se mettre en sûreté. Ils sont à l'abri du danger maintenant. Peut-être qu'ils auront un peu plus de chance que moi. Écoute-moi, Samuel. Il faut qu'on sorte d'ici. Mmh. Il fera bientôt nuit. Oh, elle crevait. Hello, arrête. Je suis pas sûr de pouvoir. Bah oui, il est éclaté, Bichette. Mais, tu as raison. Si ma blessure ne saigne plus, alors allons-y. Mais ah ouais? Il faut encore trouver Stibor et papa. Quand est-ce que tu les as vus? Attends. Pour la dernière fois? Peut-être qu'ils sont blessés. On n'a plus le temps, Sam. Je t'expliquerai tout dès qu'on sera en sécurité. Allez, viens. Les autres nous attendent à l'entrée de la mine. Allez, viens. Je vais t'aider. Vraiment? Mais Thérèse, qui égorge, c'est fini, quoi. Mais Thérèse, on va pas se trimballer comme ça avec l'autre. Il fait 60 kilos, là. Peut-être même plus. Termine, mon frère, s'il te plaît. Par où veux-tu aller? Nous allons tenter de passer par Rovna. On dirait qu'ils sont moins nombreux dans cette direction. Mais Thérèse, et Samuel, alors? Samuel? Il va venir avec nous, évidemment. Thérèse, il tient à peine debout. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Il est coriace. Sans merde. Mais nous devrons nous déplacer rapidement. Et Samuel nous ralentirait. Mathieu, tu ne t'attends quand même pas à ce que je l'abandonne ici? C'est à toi de décider, Thérèse. Je fais que résumer les faits. Même s'il était capable de nous accompagner, je doute qu'il survive au voyage. Je suis navré. Ah, bah je suis d'accord. Oh non, putain, mais Thérèse, sois pas con! Alors vous partez, et je reste ici. Vous pourrez m'envoyer de l'aide depuis Thalmberg. Bien sûr. De toi, Thérèse. Bah non, non. De venir avec nous. Bah je oui. Je ne peux pas abandonner Sam, Mathieu. Je n'ai plus que lui. Je le soignerai, et on attendra jusqu'au matin. Allez tous à Thalmberg, et dites-leur ce qu'il s'est passé. Le seigneur Divich est un bon ami du seigneur Hadzig. Il fera de son mieux pour vous aider. Je vois que t'es déterminé à pas changer d'avis. Il reste plusieurs torches dans la mine, et tu devrais pouvoir trouver assez d'eau pour nettoyer les blessures de Sam. Oublie pas de changer ses bandages. Merci, Mathieu. Oh, l'enfer. Thérèse, si... Puisse le Seigneur veiller sur toi. Mathieu. Je t'enverrai de l'aide dès que nous serons arrivés à Thalmberg. Sois prudente. Je n'ai pas Thérèse, mon gars. Je suis le danger. Oh là, par contre, ouais, le cœur sous la main, notre TT. Hein. Notre Tess.
contre, les torches, c'est pas un peu lumineux là pour un plein déplacement en pleine nuit là? À ciel ouvert? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as le chien? Ouais, bois un coup. Parlez. Là, j'ai pas de la bouffe pour toi, vieux chien. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Comment elle est refaite? Non, je regarde, je suis pas sûr, gros. Si. 41, il est à moitié daubé, ce machin. Ça va très bien pour toi. Allez, régale-toi. Je vais me faire un brin de toilette, moi. J'ai vu qu'il y avait des... Non, on peut pas. On peut pas. Bon. Arme. Flambeau. Équipé. Une pelle? Non. Des petits bois? J'ai besoin de rien? Ouais, je sais, à bois sur ce con, c'est à cause de lui qu'on est là à soigner. Ces bandages sont imbibés de sang. Il va falloir les changer. Et bouffe-le! Trouver quelque chose pour soigner les blessures. Quelques plantes, au moins, pour éviter une infection. Et de l'eau pour les nettoyer. Mathieu a dit qu'il en restait quelque part dans la mine. Il va te bouffer, mon chien. Voilà, c'est bien. Tu surveilles. S'il bouge, tu l'attaques. Là, c'est une voix que je connais pas, ça. Tu viens, toi, ou pas? Oh, ouais, c'est discret, ça. Est-ce qu'il faut qu'on se batte ou pas? C'est sauvegardé. On va pouvoir tenter. Moi, je suis toujours chaud pour le combat, mais j'ai l'impression que je serais jamais prêt pour me battre face à des mecs comme ça. Ce qui est un peu logique, hein, mais bon. Et c'est réel, tout ça, je suis d'accord. Des pommes! Je peux pas prendre, si, ouvrir. Oh, des bandages. Tout prendre. Oh, les oignons, si c'est pour les oignons. Je peux prendre la torche? Non. J'entendais bien un mec causer, non? Ah, je suis un peu deg, en vrai. Si j'avais égorgé l'autre, là, j'aurais eu son épée, là, plutôt que mon gourdin de con. C'est pas grave. On va bien se trouver une autre victime. On s'appelle Thérèse, quand même. On est où, Thérèse, là? On sait pas où on est. Ah, bah, si. Faut vraiment que je fasse... Zéro sur 3. Vous avez 10 soucis pour Samuel, 10 soucis, c'est une plante ça, non? De l'eau pour nettoyer les blessures de Sam. Ouais. Là ça monte ou c'est juste un cul-de-sac? Je ne peux pas partir, il faut que je m'occupe de Sam. Et on veut pas se barrer, Cruchelet. Oh là là. Apporter de l'eau. Ah putain, j'avais pas vu, j'aurais pu reprendre avant, ok. Obtenez eau. Ok. De l'eau pour nettoyer l'option de Sam, ça c'est bon. Y'a rien d'autre par là. Rien là-bas. Attends, un passage par là, non? Rien dans les seaux, non, on est d'accord. Musique qui nous met bien dedans. Là, bah, c'est ce qu'on en trouve en premier. Un flambeau, ouais, mais bon, j'en avais déjà un. Ok, elle a ramassé le flambeau. Même des mecs qui sont pas loin là. Hein. Ferme-la, hein! Et je peux soigner? Non, toujours pas. T'entends rien, le chien? J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de nous, hein. Attends. Ok, donc soigner le con. Là, le B. Trouver les étoffes de lin. Bien en direction du B, pourtant. Faut que je monte? Tout est dans la mine, je ne sais plus. Ça y est. C'est qui, enculé? C'est qui, Grex? Tu m'as jamais défendu? Contre toi, là! Ah, ça, c'est du gamin à hauteur, ça. Je
prends tout. Mais est-ce que je peux pas m'équiper avec leur armure? Ce serait quand même incroyable ça, hein, j'aimerais tellement. Ah non, je peux pas. Hein. Dommage. Ça se vend, hein. Je suis chargé là? Il est où mon poids de... Charisme, force, énergie, bruit. Je sais pas. La souris est tellement lente dans les menus. Ok. Ah, j'ai double dague du coup. Gourdin ensanglanté. Ah mais il avait qu'une dague lui. T'avais pas une épée contre toi? Con de toi. Décrochage dans les deux. Je perforante, très bien. Ah non. Ah merde. Il se battait au gourdin cet abruti. On est sûr de ça là. Non, ou avec une dague peut-être juste. Je l'ai tabassé. Il me semblait qu'il avait une espèce de sabre, hein, mais bon. Ok, donc il devait être par là. Je vois à peine le bout de mon nez dans cette pénombre. Je pourrais ordonner à Magnan d'aller les chercher. Ce serait plus rapide. Ah. Et là. Et là. T'avances pas plus, surtout. Hein. Cherche. Voyons ce que tu vas faire. Oh là, je suis terrifiante. Cherche. Cherche où je te mange. Cru, vivant. Ok. Peut-être que le coup de flambeau dans la gueule à Sam, elle l'a mis dedans. Donc là-dedans, faut aller récupérer rien en fait. Si, l'eau là-bas au fond. Du coup, il n'y a personne dans ce truc. Récupérer là ce qu'on vient de passer. Là. Non, je peux pas. Faut que j'arrive au fond de la mine. Ok. Attends, tu reprendras ton souffle dans l'eau, Thérèse. Fallait que je parle à Samuel. J'ai toujours voulu le frapper dans la bouche. Pas de la partie, Samuel est mort. Encore le garde bugué quelque part là. Au-dessus sûrement. Ces ok. Les bandages sont imbibés de sang. Il va falloir les changer. Et je devrais trouver quelque chose pour soigner les blessures. Quelques plantes au moins pour éviter une infection. Et de l'eau pour les nettoyer. Mathieu a dit qu'il en restait quelque part dans la mine. Flambeau non, mais là la petite... Oh là. C'est quand tu veux. J'ai pas de stam. Le chien. Le chien qui a mis le mec à terre en solo. Alors, décroche de cet adversaire là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis fait. Ah non. Oh, c'est trop à chier. Je déteste le combat. Je déteste le combat. C'est trop à chier. Il me fout une arme. J'aurais dû piller l'autre con. Ok, viens là toi. Ça, on se fait chier pour toi. Il va falloir les changer. Et je devrais trouver quelque chose pour... Oh là, la dague est meilleure. Quelques plantes, au moins, pour éviter une infection. Et de l'eau pour les nettoyer. Mathieu a dit qu'il en restait quelque part dans la mine. Dégâts. 2, 2, 31, on va dire. 0, 0, 0, 0. Ok, ouais. Non. Bon, vas-y, go, viens le chien. On va commencer par ça. Ils étaient deux, ils étaient deux. On l'a arraché tout à l'heure en 1v1. Deux, c'est trop chaud, gros. J'ai un gourdin, s'il te plaît. Merde. Ok.
qu'il y avait dans le sac à l'entrée. Mon chien qui gueule. On ramasse le flambeau. Je sais pas. J'ai des bandages, tu me diras. Voilà, il m'a fait peur. Ok. Les étoffes là, et là-bas, c'est aller chercher les soucis, mais ça doit être des plantes, ça, je pense. Bouge, gros. Vas-y, tiens le coup, mon Sam. On va commencer. Trouver les étoffes de lin pour penser les blessures de Sam. Ah, et là, c'est vrai qu'il faut que je demande au chien. Mais elles devraient être pas là, les étoffes de lin, du coup, non? Y'a quoi au-dessus, là? Par des gardes ultra vénères qui veulent nous tabasser. Je vois à peine le bout de mon nez dans cette ouais, on va faire le truc du chien. Je pourrais ordonner à Magnan d'aller les chercher. Ce serait plus rapide. Y'a, chien. Terrifiante. Voyons ce que tu vas flipper. Cherche. Nice. Sorti. T'en cherches là, gros? Voyons ce que tu vas flairer. Cherche. Flipper. Qu'est-ce que tu branles? Et tu vas... Je te manier, oui! Ouais. Je te le coup de pied au cul, il veut pas partir. Il sert à rien. Ok, nice. C'est un plaisir. Ce gameplay... Et là, j'ai bien... Ah, potion inconnue. Voilà. Hache de bûcheron. Oh! Oh! Mais attends. Équipé? Oh! Eh ben venez là, mes salauds, là! Viens, mon gros! Attends, j'étais peut-être bien parti de l'autre côté, non? Pour chercher les trucs. Par contre, le clébard, ouais... il a pas l'air de vouloir chercher... Il a pas l'air de vouloir chercher grand-chose. Ah, putain, je me suis bloqué. Non, mais en fait, le B... Rien. Le B, je le comprends pas, les gars. Je peux vous mentir. Mais là, c'est la route. Il a l'air d'être plus haut. Genre au croisement. T'as trouvé les trucs, toi, ou... Ah, là, t'es en mode cherche, là. Ouais, je te suis, mon gars. Je te suis. Cherche. Ma gueule, là. Oh merde. Oh non! Car. Inventaire du PNJ. Je prends. Prends tout. Les bottes, tout ça, j'ai pas le droit d'y mettre. Aucune demande, on est d'accord que. On vous emmerde, hein. Regarde dans cet inventaire-là. Ouais, je peux pas la mettre. Ça se revend un peu? Ah. 66 balles, ouais, vas-y. On va pas lui prendre le reste.
Défense de facochère, 13 balles, ouais. Cuir, de l'eau potable. Des flèches de chasse, ouais, prends tout. Donc, portée, facha, ça. Petit nécessaire de forgeron, c'est volé. C'est volé. Et pas de nourriture, t'avais rien, gros? Merci bien. Un villageois. Torche. Rien à voler là-dedans? Coffre. Super bandage, ok. 1 sur 3. Ah bah d'accord. Ok, j'ai capté. Cherche. Nourriture. Regarde ce que j'ai pour toi. On va le nourrir vite fait. Plus si je l'avais nourri là. La recharge. Ah, celle-là, elle va moisir. Mange ça, gros. Qu'est-ce que c'est ça? Un livre de compétences sur l'herboristerie. Je prends. Je ramasse pas les autres plantes. Par contre, si, il nous fallait quoi? Du souci. Eux. J'en ai 5. Attends, vire-toi là. Tous les 5. Ok, non, on s'en fout. Ah oui, là j'alterne entre les deux trucs. Ok. Ah, faut bien bien se coller en fait. Oh! Il y a la nourriture fraîche plus longtemps. Au moins, de la fraîcheur, la nourriture de 50%. Ouais, t'inquiète. Une potion inconnue, Dieu seul sait. Dieu seul en connaît les effets. Pas forcément magnifique, ok. Un puissant spiritueux qui brûle la gorge et les tracas. Oh merde. Touche à terre ! Oula. Oh non, mais les deux encore, je prends les deux. Ah non, je peux pas les semer. Hein. Quand on est en épée jaune, je crois qu'on peut pas les semer, hein, ouais. Putain! Quel chienlit! Attends, mais c'est quoi, gros? Toi, je vais te baiser, toi! Toi, en fait, t'es ma pute! Oh, j'ai pas de... Ah, y'a l'autre. Attaque! Je vois rien. Je sais pas si là je suis en stand-by là. S'ils peuvent venir me tabasser, je vais le savoir tout de suite. Hein. Augmente l'éloquence. En l'espace de 5 minutes, ajoute 100 PV. Non? Santé, alcool, fraîcheur. Non, mais je m'en fous. J'ai pas un truc pour vendre de la vie? Là, c'est parti pour la potion inconnue. Ah, je peux pas la prendre en combat? Bah, je suis bien baisé, ouais. Viens mon ref. Bah tu vois pourquoi il attaque pas là? J'ai shooté le chien. Meurs! Vous avez atteint un niveau avec H, vous avez atteint un niveau de force. C'est une machine. C'est une putain de machine. Je prends. 58 balles. Mal par le mal. Permet de bien commencer la journée, mais à quel prix? Dissipe l'ivresse, évite les gueules de bois et guérir l'alcoolisme. C'est une nuit de 2 pendant 2 heures. Ça, c'est rigolo. Petite trousse d'armurier, on prend. Petite pomme. Augmente sensiblement votre oui et allège vos pas. Plus 5 en crochetage, cool. Ouais, vas-y, on voit. Ok. Nice. T'es où, chien? Alors attends, j'avais mal checké là. Oh, on voit plus rien, hein, c'est l'enfer. J'ai pas une potion du schnapps là, un truc pour mille, c'est con ça. Nourriture. Non mais les conservateurs, je m'en fous, eau potable, ouais. Fromage. Graisse de chien. Un truc qui m'enlève full life là, potion de barde. Rigolo pour discuter ça plus tard. Ouais, celle-là, vas-y. Il me
il faut un bandage aussi pour moi. Je suis en train de voir. Ils sont où les bandages? Je vais être autre peut-être. Appliqué. Torse, 50%, ouais. Six bandages feront mieux l'affaire que du lin. Non, c'est complémenter un beau le chien. Ça. Il m'a bien défendu. On en a perdu un sur les deux, mais. Lui, c'est pas sauvé, c'est mon gars. Un beau toutou, ça. Un beau toutou. C'est une belle bête, ça. Cherche maintenant. Voyons ce que tu vas flairer. Cherche. Ah ouais. Alors attends, pourquoi mon bandage il bandage pas? Là je fais E appliqué. Ouais, sur le torse, accepté. 1 sur 2. Ah parce qu'il m'en faut plusieurs. J'ai pas un truc santé. Bras droit blessé. Torse blessé. Mais ça va, je suis... Ça va, j'ai plus de perte de sang. Ok. Sous popo, ça va remonter. Ok, alors en fait, il faut que je cherche dans toute cette zone. Ok. Vas-y, prenons la route par là, chien. Merde, il s'est peut-être barré quelque part. Alors, faut pas que je croise un mec tout de suite, hein, quand même, là. Là, je suis un peu mieux, déjà. Ah, je commence à me plaire dans le combat. Le gourdin là, commence à me faire chier. Hein. Bon, il est là. Allez, cherche en même temps, voir si tu trouves d'autres choses, gros. Voyons ce que tu vas flairer. Arrête, tu nous fais peur, allez, ferme ta gueule, tu nous fais peur. Arrête. C'est bizarrement foutu quand même le truc du cherche avec le chien. Par là je peux monter en haut. Ouais mais pas tant que si pour aller jusqu'à là-bas peut-être. Ok. De toute façon que c'est sur la route qu'on va rencontrer des trucs quoi. C'est Manu à chercher des putains de bandages pour l'autre qui est déjà crevé là-bas là. La vie qui remonte tranquillou, hein. Là, voilà, il y a un truc, là. Viens, viens, mon gars. Oh, joli. Voilà, meurs bien. Thérèse, mais elle est impatable. Ouais. Tout prendre. Le bouclier Kuman. Ouais, ça, je suppose que je peux toujours pas y prendre. Prends les flèches, hein. Prends l'argent. Oh, je me fais des couilles en or. J'ai 300 balles dans les poches, gros. Personne peut me tester. Un peu de viande. Du vin de basse qualité. Je vais pas m'emmerder avec ça, je peux pas te mentir. Ok. I. Ah, je peux pas. Ok. 135 balles. Mm-hmm. 77. Ah, j'avais pas vu, c'est là le poids. Charge actuelle, capacité. 82 kilos, je suis à 77. Je suis bien chargé. On a 300 balles, c'est ça, hein, c'est le pognon, ça. Ouais. C'est bon, ça. Mise à jour de l'objectif. 6 bandages feront mieux que du lin. Ouais. Y'a rien? Y'avait juste un trou de balle là qui tenait la garde? Oh, Jaillou. Apparemment, je pourrais monter un peu là-haut. Elle est bizarrement foutue leur zone quand même. Ou alors le chien est buggy. Enfin, j'arrive pas à faire son. Quelqu'un? Eh oh! Viens là, viens là, viens là, Magnon! J'ai du connard là. Vous avez atteint le niveau maître chien. Ah bah bien sûr. Tu l'as entendu? T'es où Magnon? T'es où bébé? Il est là ce connard. Qui es-tu toi? Aidez-moi. Ah il parle d'autre langue, c'est un de chez nous. Oh je suis vénère avec lui, je sais pas. Pour aider. Un petit doigt dans. Achevez-moi. Cette douleur. Ouais, ça marche. Trop... Attends. Écoute, je me tape des gardes à tour de bras depuis tout à l'heure, donc... Non, 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 non.
Je n'y tiens plus. Elle est con l'autre, on en cherche pour son frère, elle veut soigner un autre gars. On va pas s'en sortir, Thérèse. Je vais mettre fin à vos souffrances. Avec plaisir, mon bonhomme. Appelle Thèse quand t'as besoin. Et je te pille, par contre. Tu m'en veux pas? Alors. Oh, t'as rien, gros. Oh, ils t'ont déjà pillé, les potes. T'as rien du tout. Et vous, je peux vous piller, Clodo, là? Voilà. Mais oui. Prendre. C'est ça qu'on veut, nous. Voilà. Claude Hollande, là. Oui. Malade, gros. Vous avez trois étapes de là pour... Ok, ça, c'est bon. S'asseoir, peut-être pas non plus. On va le respecter, le gars. Je peux pas la prendre, celle-là. Viens là, toi. Toi, t'es bien. Toi, t'es un bon chien, là. Complimenté. Bon toutou. Une brave bête, mon gros. C'est un beau toutou, ça. Un beau toutou, ça. Allez. Arrête. Non, non. Termine le dialogue. Bon, là, je vois qu'il y a un... Non, il n'y a pas un feu, il n'y a pas un machin. Non, il n'y a que dalle. Dommage, j'aurais bien fait cuire un peu de viande. D'autres trucs à voler par chez vous? Parler au chien. Non, mais je m'en fous de parler au chien, gros. Pourquoi tu m'emmerdes? Ah, la demeurée qui parle à son chien, hein, parce que... Quand même. C'est mon seul ami. Ok. Ok. Donc là, faut partir là-haut, maintenant. En direction du C pour trouver... Ah, il nous en manque que 5. Peut-être que, en courant à travers la pampa, la direction du C, c'est là-bas. Je peux pas rentrer dans les chaumières, tu me diras. Ah, je peux pas, je crois. Crochetage facile. Allez, c'est pour nous. Pour forcer une serrure, il vous faut un minimum un crochet de rentrer en terre. Il est toutefois préférable d'en avoir un ou deux de secours car elles s'usent avec le temps et dans les pires des cas peuvent se casser. Vous pouvez lancer le processus en maintenant E sur la serrure. Vous verrez ensuite le schéma du mécanisme et il vous faudra trouver l'endroit exact où insérer le crochet. Utilisez ensuite le crochet D. Oh putain, ça y est, j'ai mal à la tête. Le crochet avec D pour tourner l'ensemble du verrou. Vous devez coordonner les mouvements du crochet avec la rotation du mécanisme, puisqu'il déplace à la fois l'emplacement du point sensible. Si vous essayez de tourner le mécanisme sans que le crochet ne soit dans la position adéquate, il va se bloquer et endommager le crochet, voire le casser si le crochet est ok. Le curseur change de taille à mesure que vous vous rapprochez du point sensible et devient doré lorsque vous l'avez trouvé. Vous pouvez lancer le poisson maintenant E sur la serrure. Vous verrez ensuite le schéma du mécanisme et il vous faudra trouver l'endroit exact pour insérer le crochet. Utilisez ensuite D pour insérer le crochet. Alors attends, on va essayer. Reste appuyé. Alors, reste appuyé sur E. Alors, ça doit être D. Oh, j'ai rien qui se passe, moi. Ah. Ok, j'ai un truc sur... Ouais. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Allez. Dormir, sauvegarder. Nice. J'ai dans mon cul. Hein? Vraiment? Vraiment? Je peux même pas dormir. J'ai vraiment fait ça pour rien. Nick. Ok, ça nous a entraîné, ça nous a pris. Ouvrir, on est d'accord, quoi. Ça rompt tout, hein. C'est pas à chaque truc à ouvrir, non. Là, je peux rien foutre avec cette bougie. Là, j'aurais pu dormir, machin, mouais. Bon. Écoute. Go.
Je pensais que j'allais tomber sur une arme légendaire. Cachée dans une cabane de bûcheron, évidemment. Et là, faut qu'on cherche des plantes... du souci, hein. Je sais même pas quoi elle ressemble, la plante. Ça a l'air d'être ça. On va parler au clébard. On va aller dans la zone qui nous dit, hein, mais je me suis dit que je pourrais en trouver avant. C'est peut-être ultra rare le souci, il y en a que là-bas qui ça pousse. C'est ça. Je suis où? Ok. Je vais retomber sur mon compte frère. Je vais traverser par là. T'énerve pas Thérèse. Plus discret, on n'utilise pas les chemins. Ça c'est du souci ça. Non, ça c'est du consoude. Super. Ah, faut vraiment être... J'espère que je me suis pas raté en haut là. Ça trouve il y a du souci. Il faut vraiment être bien au millimètre, quoi. Le chien qui me fait peur. Putain, gros, mais là, l'histoire du cul, hein, dans lequel il me met l'autre, là. Allez, je suis en train de me dire, là, j'ai un livre d'herboriste. Autre. Ouais. Lire, Oh, putain. D'accord. Ok. Herbe. Non mais ça. C'est pas partout. D'accord. Le chien est là. Je suis dans la zone. Je suis dans la zone. Il y a beaucoup de ces plantes là, mais... Il y a... Non, c'est pas ça. On soude. Oh. Vas-y, viens là, saoul. Ah, c'est bon, je me casse. Non, tu viens, mon salaud. Bah, viens. T'es pas sûr qui t'es tombé, toi, mon gars. En pleine nuit. Si bon, là. Oh, tu t'es perdu. Ça a marché! Attrape-le! Oula! Ah. Wow! Oh, pitié! J'ai besoin de toi, le chien, là! Il me démarre, lui! J'ai que je faisais le chien! Ah, mais le double coup, gros, là, c'est pas l'esquive. Hein. Faut y aller, Rex. Oh, il a... Putain. Il est chaud, hein. Oh, oui. Meurs bien. Merde. Chien. Tue-le. Connard. Coumane de mort. L'arc. Je prends une incroyable arc. Les bagues. Le cuir. La défense. Les flèches. Oh, qu'est-ce qu'il me prend là? Je prends tout. Je suis en train de prendre quoi? Putain, j'ai pris tout le stuff en haut. Con de moi. Où il gueule l'autre? Il a trouvé quelque chose ou... Il nous faut un feu de camp, gros. Putain, je suis surchargé. Bah oui, je suis surchargé. J'ai pris un milliard de merde. J'arrive en temps plan. X. Ok.
Je suis encore en surcharge. La bouffe peut-être. C'est quoi qui pèse lourd? Attends, vire ton A là. Le poids. 8 kilos, le bouclier Kuman. Ouais, mais il vaut cher. Il vaut bien cher. La hache, les pots aussi, ça vaut lourd. Hein. Arc d'Adam. Les dégâts, il fait 74. Il est bien mieux celui-là. Équipe celui-là. L'arc d'Adam, il se trouve en 4,5$. Vas-y, barre-toi l'arc d'Adam. Déposer X. Attendez, on fait un peu de tri. Le gourdin, j'en ai plus besoin. Mais 26 balles, le gourdin. 31 de dégâts, il colle, hein. Contre 24 pour le... pour la hache. T'es sérieux? C'est de la merde. 86 kilos encore. Qu'est-ce qui pèse lourd comme ça, bordel? Tu les feras. Ah, peut-être les viandes. On a peut-être beaucoup des viandes. Non, ça pèse pas grand-chose, les viandes. Non, mais vas-y, on va se débarrasser des peaux de vache, alors. Ah, putain, on peut plus rigoler dans le jeu. 80 sur 80. Ok. Oh, Kimbourg. Attends, viens. Tu peux me chercher les fleurs, là? Ça m'emmerde. Oh, je suis terrifiant. Hein. Cherche. Mais arrête de lui parler. Il fait peur. Il cherche, gros. Bray simple. Ah non, mais c'est ce que je viens de jeter. Il cherche rien du tout, ce con de chien, là. Moi, je vous propose des combats incroyables, pourtant. Qu'on soude, ouais. Mais ça, c'est bizarre, il y en a plein, ça. On va ramasser la consoude. On aura d'avance. Ah, mais peut-être ça moisit, c'est aussi. Je sais pas. Je suis toujours dans la zone. Ça ressemble à quoi déjà? Objet de quête peut-être. Nourriture pour poule, d'accord. La consoude, crochet. Aussi, c'est jaune. Des plantes jaunes. Apparemment, hein. Ah, tu me diras, c'est tout rose. Ou alors c'était là-bas dans les sacs et j'ai mal fouillé peut-être, hein. On va retourner jeter un oeil, mais... Là, je vois vraiment aucune plante jaune. Si, ça, ça ressemble... Ouais, non, c'est de l'herbe, ça, c'est juste de l'herbe à la con. Plus dans la zone. Ah, c'est bizarre, quand même. Attendez, on va aller voir sur la route, là, du coup. Il s'est trouvé! Yarnif, yarnif. Ouais, ouais, mon gars. J'ai découvert un nid. Orti, orti. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Ah oui. Notre prochaine victime, gros. Bien vu, ça. Hey, qui va là? Attaque, attaque. Oh non! Non, non! Oui, non, 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 non. Oui, chut. Oh putain, j'ai cru que c'était un. reste ici. Attends-moi ici. Arrête de lui parler. Oui, oui, on a compris. Mais arrête de lui parler, je t'en supplie. T'es où, gros? Allez, viens voir! C'est lui, ça, non? Ah oui, il fuit! Ah, viens voir, gros! Répète les gens, mais non, mais gros, je voulais juste le. Oh! Monsieur! Monsieur! Vous allez mourir! T'as le chien! Oh, j'ai fait attaquer le chien direct. À vue. J'arrive, le chien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des chevaux crevés. Bon chien. C'est un beau toutou, ça. Ouais, allez. Okay. Oh. Ok, souci, c'est orange fluo. Non, mais putain! Allez! Je veux les plantes, je veux pas le chien. Oh, c'est en freestyle. Non. Non. Casse les couilles.
micro, c'est chaud, hein, faut en mettre dessus. Ok, il y avait juste un mineur qu'on a fait fuir, alors que ça se trouve, il aurait pu nous donner des infos. Pas du tout. On l'a fait attaquer par le chien. Putain, on va... Ça va être quoi, sauver le frère, quoi. Bah, paye ta merde. Pardon, je vais le crever, là. Tu m'emmerdes. Ok, 9 sur 10, nous en manque plus qu'une. Là, voilà. Ok. C'est bon, je peux aller. Bien, gros. Un top et père. Au pied. Bah, je vais. C'est quoi ça? J'ai envie de traverser, hein. Je préfère pas prendre les routes en vrai. On voit que je peux encore hyper aller sur les combats. Un peu deg parce que ma hache fait moins de dégâts que mon bâton. Je trouve ça tellement plus stylé. Ok, je suis là, gros. C'est la nuit à charger des plantes, à tuer des gens. Quelle vie! Il est mort. Il est mort, ce bâtard? Je voulais juste jouer Henri, moi. Détente, hein, quand même. Bien blanc, bien froid. Sam. Sam, réveille-toi. Debout. Non, non, Samuel, c'est fini maintenant. Allez, tu te réveilles sur le champ. Non. Non. Non, je t'en prie, Sam. Non. Non. Non, 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 tu peux pas. T'as pas le droit de me faire ça. Sam, s'il te plaît. Non. 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 Tous est mort. Magnan, qu'allons-nous faire? Penses-tu qu'il y ait des survivants dans le village? Ou peut-être au château? Mais c'est barré, le con, là! On parle dans le vent! Je te déteste, vieux chien! Bon, ça va... Je suis un peu triste, quand même. C'était beau, cette petite scène, là. Magnan, au pied! Qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé quelque chose, mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu qui joue tout seul, hein. Moi, je voulais juste ramener mon frère une dernière fois. Alors, attends, Magnan! Magnan, gros, j'ai pas envie de l'appeler Magnan, chien. Range le flambeau, Jocelyne. Non, eux.
contre hache à la main, gros, j'en ai rien à foutre. Le point que je croise, il la prend en pleine gueule. Ah, en fait, c'est hyper lent. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme flèche? Des flèches de chasse? Dégâts 80, 80, 110, 150. Celle-là, la flèche perforante, j'en ai 7. Vas-y. À tout moment, gros. Qu'est-ce que t'as trouvé, le chien? Qu'est-ce que t'as trouvé, le chien? Bah, salut, mon frère, hein, d'ailleurs. Même pas enterré, gros, pas le temps. Pas le temps de niaiser, comme dirait le jeu. Gros, faut qu'on se trouve un endroit pour graille, dormir et tout. Hein. Bonne gens, pitié. Ok, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Attends, je range l'arc. On va pas lui faire peur. Salut mon petit bonhomme. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de me démouler un cake? T'es en train d'accoucher, enculé? Calme-toi, calme-toi, gros. Olpa? Que s'est-il passé? Et cesse de crier. Tu vas attirer ces païens par ici. Ces maudits païens. Je dois partir d'ici. On a eu plus d'une heure déjà. Les prévenir. Pardon. Fin du dialogue. Comment as-tu survécu à l'attaque? Je me suis caché au sommet de la colline et j'y suis resté jusqu'à la nuit et que les cris s'arrêtent. Tout Scalis était en feu. Je sais, je l'ai vu aussi. Je voulais aller à Thalmberg pour les prévenir, mais en descendant la colline dans le noir, j'ai perdu l'équilibre et j'ai dévalé toute la pente comme un sac de charbon. Oh, j'ai mal partout. Comme un sac à merde, oui, tu veux dire? Tu es blessé? Que puis-je faire pour t'aider? Je crois que j'ai quelque chose à la jambe. Tu veux qu'on mette fin à tes souffrances? En tombant, j'ai réussi à me traîner jusqu'ici. Petit pied-gorge. Je suis vidé maintenant. Je vais voir ce que je peux faire. Laisse-moi jeter un œil à cette jambe. Peut-être que je peux te remettre en état. Bon, très bien. Mais fais attention, d'accord? Il faut croire que tu as eu de la chance. Tu n'as rien de cassé. Si on est sur une vue décolletée, là. Incroyable. Garde ta jambe levée pendant un moment. Et quand tu te sentiras prêt à repartir, essaie de ne pas mettre trop de poids dessus. Trouve un bâton pour t'appuyer. D'accord. Merci. Je pense pouvoir me lever maintenant. Mais tu veux bien m'aider jusqu'à la route? Ce sera plus facile de marcher une fois là-bas. Allez. Je vais t'aider. Appuie-toi sur moi. Oh. Ah oui! Trop rigolo. Je vais me débrouiller à partir d'ici. Mais où devrais-je aller? À Thalmberg, comme les autres. Raconte-leur ce qui s'est passé et demande à ce qu'on envoie de l'aide. Et pourquoi nous on reste là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, gros. Au château, pour chercher d'autres survivants. Ouais, ouais, bah... Tu n'as pas l'air d'avoir froid aux yeux. Tu pourrais aller voir dans les ateliers de la mine, ou explorer les fermes autour de Scalis. Les gens se sont cachés là où ils ont pu quand l'attaque a commencé. Que Dieu veille sur toi, Thérèse. Ouais, écoute, gros. Je vais pas te mentir que... Après tout ce qui se passe, je suis pas plus sûr de pouvoir laisser passer un... Un lâche comme toi! Mais pourquoi ma flèche, elle part? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Trop bizarre. J'ai même pas pu l'abattre. Flèche cassée? Flèche perforante. Non, c'est écrit flèche perforante. Je sais pas. Bah, attendez, pourquoi je peux plus tirer Bah oui, pourquoi ça part instant? Flèche cassée, d'accord. Il y en a qui sont cassées, du coup. Peut-être j'ai pas l'arc pour tirer des flèches perforantes. Bah, juste mets-moi des... Ouais, voilà, là. Tac, équipé. C'est une connerie comme ça, hein. Ah non. Stop fait, vous allez utiliser un arc qui exige des capacités dont vous ne disposez pas encore. Ah! Lis, gros con, lis. Ah, mais j'ai jeté le... Eh putain, mais... Barre-toi, vieux clébard. J'ai jeté le... J'ai... Bah, bah, fous le camp! Compte-toi, va. Bah. Bêtement con, ce chien, aussi. Hop là.
Oui, j'aime les chiens. J'en ai plein la maison de chiens. Ok, mais du coup, j'ai jeté l'arc de l'autre, moi. En me disant, eh hey, oh. Oh, mais le jeu aussi, je savais pas que t'étais aussi bien fait, moi. Excuse-moi, je suis un peu con. Hein. J'ai les flèches cassées, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Je suis pas sûr. Bon, bah écoute, on va rester hache de bûcheron. Mais gourdin, vraiment 31 de dégâts pour 24. Poids. État. Ouais, je vais garder ça, alors. Moi, j'avais l'air de beaucoup mieux m'en sortir avec la hache, mais écoute. Et range ça, toi, arrête, tu sais même pas t'en servir. Cru le chalet. Bon, écoute, on va s'arrêter ici, je pense, pour aujourd'hui. On a déjà plus d'une heure, c'est passé très très... on n'est pas de s'en sortir de ce gameplay. Non, mais en vrai, comme on m'a expliqué, vu que j'avais acheté les DLC et tout avec le jeu, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il est vraiment pas très cher sur la Sound Gaming. En version full. Des mines, ça ? Une montagne, ouais, c'est joli. J'aime bien les dessins. Et en gros, là, ouais, je suis parti sur le DLC. Donc, du coup, vous avez pas le gameplay Henry, mais à ce qui paraît, le DLC Thérèse est plus difficile et est quand même assez long. Donc, bon, bah écoute, pourquoi pas, on va essayer de s'en sortir. Vous voyez, je galère un peu quand même. On voit que les combats, c'est pas encore easy. Il serait peut-être temps de se stuffer, il faudrait prendre le temps aussi peut-être d'aller s'entraîner. Fouiller le village pour trouver des survivants. Moi, chercher... Ah ouais, mais gros, faut que je me tape toutes les contrées du monde, là. Oh, ça nous annonce encore de belles aventures, ça, je sens. Ok. Hop. Mais écoutez, les petits potes. Est-ce qu'on peut... Viens, gros. On peut pas juste se caler, se faire un feu, pioncer vite fait. Je vois qu'il y a des baraques. Ça a été un peu saccagé, mais il y a peut-être un... Y a rien, il y a air. Ouvrir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un petit chou. Ça passe. Pourquoi tu fais le cake dehors, toi? Quoi? Tu veux que je t'en colle une? Hâte de gagner, tu vas appeler tout le monde. Ok. Voilà, y a rien. C'était les... Hop, ce jump de Thérèse qui me termine à chaque fois. Là, j'ai jamais pu y rentrer là-dedans. Le chiotte. Je cherche juste, en fait, un petit endroit où je pourrais... Alors toi, mon petit salaud, t'es pas sûr qui t'es tombé là, mon petit con. On va se finir sur un bon assassinat. Comme Thérèse sait si bien les faire. Bah toi, dans la discrétion, contre ta race, hein. La gueule, le chien, on est en furtif, là. T'as encore rien compris, ouais, bois. Alors, vous y portez ça? Une épée de chevalier. Ah, 40, mais elle est à moitié pétée. Un peu de pognon. 36. Du pain de saucisson sec. Ça, l'eau potable. Bon, après, je pense que ça sert à rien que j'y mette. Parce qu'il s'est couché dessus. Est-ce que je peux pas quand même pas finir de fouiller le mineur là, non? Ok. Ouais, y a pas... Non, tout est ravagé, hein. Y a aucun endroit où je peux passer la nuit, là. Peut-être des coffres qui auraient pas été pillés. Ah, mais ça, est-ce que je le ferai pas hors vidéo, parce que je vais pas vous faire chier pendant... Vous ne pouvez pas sprinter quand vous êtes surchargé. Ah, sur surcharge, ok. On va jeter de merde. Peut-être là, vite fait, dans la paille. Discretos. Non. Y'a qu'une idée. Bon, bah allez, on s'arrête là, on essaiera de trouver. Ou peut-être que vous me direz dans les commentaires si tu peux dormir ici ou là. Là, y'a rien. Je sens qu'il y a rien ici. Là, je suis pas sûr qu'on puisse pioncer. J'ai peur de tomber sur l'autre mec. Hein. Nous, on était où? On était là, hein. Le meunier. Ouais, nous, on est là. Hein. À tout moment, on repasse à la baraque. Bim, bam, boum. On verra. On verra prochain épisode. Et bah écoutez, les petits potes, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On est une petite centaine en ce moment à regarder. Ça va, c'est cool. Je peux me permettre d'en faire encore, même si ça détruit les stats YouTube, mais bon. Le peu que vous soyez à regarder, là, comme je disais en live, c'est vous êtes vraiment, vous accrochez vraiment bien à la série. Donc, et puis vu que je m'éclate sur le jeu, on va continuer pour l'instant comme ça et puis on verra bien. Je vous fais des bisous les potes et à la prochaine. Ciao.